Salut mes petits engineers, c'est les Tutos et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série sur la création d'un HUD d'assignation de touches. Dans cet épisode, on va voir comment afficher les touches. Pour commencer, on va aller dans notre Content Browser, dans Content à la racine, et on va créer directement un folder qu'on va appeler HUD. On va aller dans ce dossier et ensuite on va créer à l'intérieur un User Interface Widget Blueprint. On va l'appeler W touche. Alors W puisque ça va être un widget. Dans ce widget touche, on va l'ouvrir, on va mettre en custom, on va définir sa taille à 1920 plutôt, pardon. Bon, ce qui est donc la largeur d'un viewport. On va retirer le canvas panel, on va ajouter un panel, horizontal box, et dans cette horizontal box, on va mettre deux horizontal box. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je veux qu'il y ait une partie qui prenne la moitié de l'écran et l'autre aussi. Mais dans chaque partie, on va mettre une chose différente. D'ailleurs, on va plutôt mettre un border en premier, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'éléments dedans. Donc ici, on met le border, et ensuite l'horizontal box dans la première horizontal box. Ce border, on va lui mettre une brush color, on va le mettre en noir. Et notre horizontal box, on va laisser ici. Donc les deux, on va mettre en fill, le border aussi. Comme ça, ils vont prendre tous les deux la moitié de l'écran, enfin la moitié de ce widget. Dans le premier, on va mettre un texte. On va aligner au centre à gauche. On va lui mettre un padding de 50 et on va mettre 0 en hauteur. Ce texte, on va légèrement l'agrandir. Donc on est sur le texte, le font. La size, on va la mettre à 30. Et on va écrire tout en majuscule touche. Nom de la touche plutôt. Ici, de ce côté-là, on va mettre dans l'horizontal box, un bouton, puis un autre, puis un autre. On va maintenant trois boutons. On va les mettre tous les trois en fil. Donc pour ça, pour aller plus vite, on va prendre les trois et on va mettre fil. Bon, ce qui fait qu'ici, on aura le nom de la touche et ici, les trois boutons des touches associées. On va les mettre en gris. Donc pareil, on va sélectionner les trois. On va changer le background color et on va mettre du gris. Ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur, on va mettre un texte dans chaque bouton. Et ce texte, on va mettre des noms de touches. Donc par exemple, E. Ici, on va mettre Gamepad Left Trigger. On va voir si ça passe. C'est tout juste quand même. Hein. Et ici, on va mettre Alt plus E. On va ensuite réduire la police pour que le left trigger rentre dans la case. On va mettre 20, c'est très bien. On va ensuite mettre ces noms en orange. Et je vais juste un petit peu plus noircir. Voilà, ce qui me donne un rendu comme ceci. On compile, on sauvegarde, et on va laisser ça de côté. On va créer un second widget blueprint qui va s'appeler cette fois-ci HUD. Changement. Touche. On sauvegarde, on va ensuite l'ouvrir. Donc ici on va garder le canvas panel et on va mettre un border et une scroll box. Donc dans panel, scroll box, et notre scroll box, on va l'agrandir, on va la mettre ici. Notre border il est très bien ici. On va changer l'anchor de notre scroll box pour la mettre comme ceci. Donc étiré en bas, qui prend toute la largeur, et on va mettre offset left 0, offset right 0, size y, on va voir après, position y, on va mettre 0, alignement, on va mettre 1, en y, pardon, en x, ça sert à rien, et ça, on va mettre 100. En size Y, on va mettre un anchor comme ça, donc étiré en haut, offset right 0,
et tout le reste à 0, ici à 100. Donc ici on a dit, comme l'autre fait 100, la size y elle va faire 1080 moins 100, c'est-à-dire 980. Notre border, on va lui mettre un brush color, et on va mettre un texte à l'intérieur, et notre texte on va le mettre aligné à gauche, au centre, on va lui mettre en 60, ou c'est peut-être un peu beaucoup 60, 50. On va mettre assignation des touches en majuscule, comme ceci, on va mettre un padding à gauche, 0, 0, 0, et ici on va mettre 25, voilà. Le texte on va le mettre en noir. Notre scrollbox, on va lui mettre un nom, on va lui dire qu'elle s'appelle SB pour scrollbox, tiré bas de touche. On continue pour sauvegarde, et je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, pour vérifier ça, dans notre scrollbox, on va juste ajouter manuellement des widgets touches. Donc, voilà à quoi va ressembler notre menu. C'est plutôt pas mal. On va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ensuite on va aller dans notre graph, on va compiler, sauvegarder, si on compile, sauvegarde encore, pour être sûr, et on va aller ici, et on va pouvoir s'occuper de la partie un peu plus technique. Donc ce qu'on va vouloir, c'est afficher donc toutes ces touches. Donc pour ça, dans notre HUD échangement de touches, dans notre graph, au moment du construct, donc les pre-construct et l'eventic pour l'instant, on n'en a pas besoin, et dans notre event construct, ce que l'on va faire, c'est récupérer notre fonction de notre plugin, donc c'est ici qu'on va s'en servir, Victory BP Library, KRebinding, et ici on va avoir besoin du getAllActionKBinding et le axisKBinding. On va prendre celui-ci, et on va taper KRebinding, donc comme ça on l'aura plus facilement, et on va prendre allAxisKBinding. Donc comme ça on a les deux, et on va pouvoir faire un foreach sur chacun. Foreach, exécution. Foreach. Au moment du complete, on passe l'exécution. Pendant le loop body, ce que l'on va faire, c'est pouvoir créer un widget. Donc on va faire create widget. Et ici, il va nous manquer quelque chose, c'est-à-dire passer ça en paramètre de notre widget touche. Donc on va retourner dans notre widget touche, dans notre graph, et on va rajouter une variable qui va être action, pour l'action mapping. Et on va mettre un victory input. On met exponent spawn, editable, on compile, on sauvegarde. On va sélectionner notre widget touche et on aura notre action. Cependant, ça c'est pour nos action key binding. Pour nos axis key binding, on va avoir un victory input axis qu'on va avoir besoin de passer aussi en paramètre de notre widget touche. Donc pour ça, ici, on va recréer une seconde variable. On va l'appeler axis et on va l'appeler victory input axis. On le met instance editable exponent spawn. Pour savoir lequel va être enseigné, puisque ce sont des structures, on va rajouter une troisième variable qui va être type, et on va lui donner un nom axis, et on va mettre un booléen. Alors pourquoi je mets type axis, je mets le nom dedans, c'est pour savoir que si ce booléen est à true, donc à vrai, c'est que c'est donc un type axis, sinon c'est que c'est un type action. Voilà, c'est une façon de retenir, de pouvoir relire le code facilement. On va mettre instance editable, exponent spawn, on compile, on sauvegarde. On va pouvoir ici, donc rafraîchir si vous l'avez déjà mis, pour avoir tous les inputs que l'on a rajoutés. On va le redupliquer, et ici on va mettre sur le loop body, dans l'axis, et on va cocher. Vous voyez ici, quand je sélectionne ce pin, on voit très bien qu'il n'y a que l'action que je peux mettre, qui devient en surbrillance. Donc ici on ne coche pas type axis, et ici on le coche, puisqu'on a renseigné axis. Ici on n'oublie pas de rebrancher l'exécution. Avant de tester, on va d'abord aller dans notre widget touche, et on va faire ce qui s'appelle un binding. Donc ici on a nom de la touche, et ce que l'on veut, c'est créer un binding pour ça. Donc, alors comme ici on a deux types de variables, et qu'il y en a une seule des deux qui est configurée, on va pas pouvoir directement binder sur la valeur, on va créer un binding, on va prendre notre type axis, et ici on va faire un select. Et donc on va récupérer notre action, notre axis, on va aller splitter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans le cas où ça serait un type axis, on va prendre le axis name et on va le mettre dans true. Dans le cas où ça ne serait pas, on va mettre le action name. Et ça, on va le retourner ici. Tout simplement. On compile, on sauvegarde. Et on va renommer ce getText en binding
Non, touche. On compile, on sauvegarde. On retourne dans le designer. On va pas s'occuper des deux autres. Pour l'instant, on va les mettre en empty. On va mettre leur couleur en gris. Et empty, on va le mettre en majuscule. On va faire la même chose ici. Il nous reste plus qu'à faire le dernier binding ici. Create binding. On va le renommer tout de suite. Binding touche. On va mettre 1, puisque plus tard il y en aura plusieurs. Et notre binding, ça va être la même chose que l'autre, donc on va copier ça. On va le remettre ici. Et sauf que cette fois-ci, ça va être notre axis key à string. Et notre action key à string. Maintenant que nous avons fini nos bindings, nous allons pouvoir ajouter une dernière petite chose avant de tester. Nous allons devoir ajouter une touche pour pouvoir afficher notre HUD. Et on va ajouter afficher HUD changement touche. Vous pouvez très bien l'inclure autre part, hein. Moi c'est parce que je veux une solution pour pouvoir l'afficher. Et on va mettre la touche P. Et on va aller dans notre first person, blueprint. On va ajouter dans blueprint edit first person game mode. Et moi je veux rajouter un player controller. Et donc à l'intérieur de ce player controller, on va supprimer les deux et on va ajouter afficher HUD changement de touche. Et ici on va faire un create widget HUD changement de touche. Ici loan player c'est self. Ici on va faire un promote to variable. On va l'appeler HUD changement touche ref. Et ici on va faire un... on va prendre la variable get, faire un isValid avec le point d'interrogation. On va vérifier si notre variable est valide. Si elle n'est pas valide, on fait un create. Et si elle est valide, on fait un add to viewport. Dans les deux cas, on le fait. Et on met notre HUD changement de touche ref en target. On compile, on sauvegarde. Et on ajoute une dernière chose ici dans le designer. On va ajouter un bouton dans notre canvas panel. Et ce bouton va être en encore en haut à droite. Position 0, 0. Alignement 1 en X. Il va être en size to content. Et à l'intérieur, on va mettre un texte avec un X majuscule. On va mettre un padding de 20. Et une size de 35. Le bouton en background noir. On compile, on sauvegarde. On va dans le graph. Et sur ce bouton, qu'on va appeler button kit, close plutôt. On va faire un add onClicked. Et ici, on va faire un remove from parent. On va ensuite faire un get owning player, un cast to first person controller. D'ailleurs, on va le convertir en pure cast. On va faire un set HUD changement de touche ref. On va laisser la valeur à null. On compile, on sauvegarde. Ici, on va reprendre le getOwnPlayer. On va faire un set showMouseCursor. On va le mettre à vide. Et ici, quand on fait un addToViewport, on va faire un set showMouseCursor. Cette fois-ci, on va le mettre à true. Une dernière chose qui nous reste, c'est à faire un set UIMode. Game set input mode game and UI. Donc, ce que l'on a à focus, c'est notre HUD changement ref, le target c'est self, et au moment où on fait ça, on va rajouter une dernière chose, c'est donc set mode game only. On compile, on sauvegarde, et on fait play. Et donc ici, si j'appuie sur P, mon HUD s'affiche. Je clique sur la croix, il se supprime. Il nous manque une dernière chose,
ces widgets, une fois qu'ils sont créés, on va les ajouter. Donc add child. Et notre panel, c'est notre scrollbox. Donc ici, on n'oublie pas de mettre isVariable. Et on va pouvoir la récupérer ici, sbtouche. On va faire la même chose ici. Et notre content, c'est celui-ci. On compile, on sauvegarde. Et si on fait play, on appuie sur la touche P et on a bien toute la touche. Alors vous voyez qu'il y a certaines choses qui dépassent un peu, on réglera peut-être ce problème plus tard, il suffit tout simplement de changer la grandeur de la police d'écriture, ou bien ici de modifier pour que ce border ici soit un peu plus court. Alors vous voyez ici qu'on a notre affiché HUD des changements de touches, donc ça peut-être qu'on n'a pas envie de l'afficher, peut-être d'autres choses encore, par exemple les move forward peut-être qu'on n'a pas envie d'afficher, ou bien les turn rates qu'on n'a peut-être pas envie d'afficher, donc tout ça on va voir ça dans le prochain tutoriel. Cet épisode étant maintenant terminé, je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.